Oubliez l'iPhone 13 Pro, le Galaxy S22 Ultra et autres Pixel 6 Pro, Oppo vient de tout casser avec son nouveau smartphone premium, le Find X 5 Pro. Je l'utilise depuis maintenant pratiquement un mois et pour moi, il surclasse clairement tous ses concurrents et je vous explique pourquoi en 4 points. Et je commence par ce qui se voit tout de suite, le design. L'année dernière, Oppo avait déjà fait fort avec le Find X 3 Pro en l'habillant d'une coque unibody en verre qui épouse le module photo. Avec le Find X 5 Pro, il utilise le même procédé mais avec de la céramique. Ce procédé est tellement complexe qu'il faut 45 étapes dans le processus de fabrication et 168 heures de production pour chaque modèle sorti d'usine. C'est assez fou hein, quand même. En plus, Oppo a vraiment pensé aux moindres détails. Par exemple, le module photo est orienté à 75 degrés et pas 90 degrés pour pouvoir positionner son doigt dans le prolongement de la ligne en dessous du module photo et faciliter la prise en main. Prise en main qui est d'ailleurs excellente. Vraiment, la céramique, c'est une sensation incroyable. En plus d'être magnifique, surtout en blanc, faut avouer que le modèle est particulièrement sexy. Bon, et puis bien sûr, ce Find X 5 Pro, il embarque les derniers standards haut de gamme de ses concurrents comme la certification IP68, le verre de protection Gorilla Glass Victus, tout ça quoi. Il a tout en fait. Hein. Le design ça passe aussi par l'écran. À l'avant, le Find X 5 Pro arbore un magnifique écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces avec une définition QHD+, une fréquence de rafraîchissement adaptative comprise entre 1 et 120 Hz. En gros, il s'adapte hein, selon le contenu affiché à l'écran. Sa luminosité peut atteindre 1300 nits. Enfin bref, il a tout ce qu'il faut pour s'inviter dans le top 3 du marché en termes de qualité d'écran. Je ne vais donc pas y aller par quatre chemins. Pour moi, ce Find X 5 Pro, c'est vraiment un bijou. Et en plus, il a le mérite de sortir du lot, un smartphone d'exception en fait. Si le design et l'écran en mettent plein la vue, sous le capot, c'est pas mal non plus. Le Find X 5 Pro embarque toutes les technologies dernier cri. La puce Snapdragon 8 Gen 1 gravée en 4 nanomètres, associée à 12 Go de RAM et de la mémoire partagée. En gros, le Find X 5 Pro, c'est un monstre de puissance qui peut tout faire, des applications de créativité les plus gourmandes aux jeux les plus avancés, en passant par un multitâche très fluide et très rapide. En fait, tout ce que font les autres smartphones premium sur le marché, le Find X 5 Pro sait le faire. En fait, Oppo a surtout réussi là où la concurrence a un petit peu de mal, c'est la dissipation de la chaleur. Cette année, les puces gravées en 4 nanomètres, sauf celle d'Apple, hein, faut bien dire, Apple maîtrise parfaitement sa puce A15, et ben en fait, les autres, elles ont toute tendance à faire chauffer les smartphones. Et ça vaut aussi pour l'Exynos de Samsung, surtout pour l'Exynos d'ailleurs. Pour éviter ce problème, Oppo a développé un système de refroidissement en 3 couches. La première, elle est constituée d'un film de graphène, la deuxième, c'est un film de graphite ultra fin. Et la troisième et la plus importante, c'est une chambre à vapeur 75% plus grande que celle du Find X 3 Pro. Et la troisième et la plus importante, c'est une chambre à vapeur 75% plus grande que celle du Find X 3 Pro. Du coup, bah, on peut se faire plaisir sans craindre la chauffe. Avoir un beau smartphone super puissant, c'est bien, mais s'il est endurant, c'est mieux. Bon, sur le terrain de l'autonomie, c'est pas le meilleur, hein, le Find X 5 Pro. Il n'atteint donc pas les 2 jours d'un iPhone 13 Pro Max, mais ça reste très correct puisqu'il peut tenir une journée et demie en utilisation normale et une bonne journée en utilisation intensive, ce qui n'est plutôt pas mal, hein, ça reste le haut du panier. En fait, le Find X 5 Pro, il se distingue pas sur l'autonomie, mais sur son système de recharge qui, pour le coup, lui, est vraiment très rapide. Ceux qui connaissent Oppo ont déjà entendu parler de la technologie SuperVOOC, c'est sa technologie. C'est sa technologie de recharge rapide très avancée et très innovante. D'ailleurs, au MWC 2022, Oppo a présenté le SuperVOOC 150 watts qui peut recharger un téléphone en 10 minutes. Bon, en attendant que ça arrive, on doit se contenter entre guillemets d'un chargeur SuperVOOC de 80 watts. Et lui, eh ben, il est déjà très très rapide puisqu'en 10 minutes, on recharge le téléphone à 50% et en moins de 30 minutes, il est intégralement rechargé. Donc en gros, si vous avez oublié de le recharger la nuit, le Find X 5 Pro peut retrouver toute son énergie le temps d'une douche et d'un petit café le matin, juste avant d'aller au taf quoi. Pas mal hein. Alors je vous vois venir, oui, une charge aussi rapide, ça défonce les batteries, ça les fatigue, elles perdent en autonomie, gna gna gna. Bon, on se calme, hein. Si c'était Apple, on dirait que c'est du génie et on chercherait pas la petite bête comme ça. Oh là, dis donc, journaliste engagé le gars, hein. Il râle, hein. Enfin, des problèmes ce mec. Hein. Bon, plus sérieusement, la batterie, elle ne prend pas cher du tout et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Find X 5 Pro contient 2 batteries de 2500 mAh et pas une seule de 5000 mAh. Ça permet de recharger vite en évitant de faire chauffer la bête et de détériorer la batterie. Ensuite, le chargeur, le câble de charge et le port USB-C du Find X 5 Pro lui-même sont tous bourrés de puces et de composants électroniques permettant de contrôler la puissance de charge et d'éviter justement d'abîmer la batterie. Donc ça ne risque pas de nous faire une Galaxy Note. Ouh là là, il a glissé. Et en plus, Oppo fournit le chargeur ultra rapide dans la boîte. Coucou Samsung, coucou Apple.
plutôt pas mal ça. Et puis pour compléter tout ça, le Find X5 Pro est aussi compatible avec la charge sans fil rapide AirVook 50 watts. Bon là le chargeur il n'est pas fourni, hein, faut pas déconner non plus, sauf si vous précommandez le Find X5 Pro, là Oppo l'offre. Et avec ce chargeur sans fil, le téléphone se recharge intégralement en moins de 50 minutes. Et ouais ça c'est balèze. Et puis cerise sur le gâteau, le Find X5 Pro embarque aussi la charge inversée. Allez hop, terminé, bonsoir, j'enfile mes savates, bonne soirée, bon dimanche. Et pour finir, le quatrième point distinctif, et j'ai pas choisi le plus petit morceau puisque je vais vous parler de la photo. Alors non, le Find X5 Pro ce n'est pas le meilleur en photo, mais il fait partie des meilleurs. Et surtout, il a quelque chose que les autres n'ont pas, un partenariat avec Hasselblad qui lui permet de sortir des clichés uniques en leur genre. Alors Hasselblad, qui c'est? En gros, Hasselblad c'est une marque suédoise ultra premium, très connue des photos. Et si je dois donner un exemple, hein, c'est le plus connu, les premiers hommes à marcher sur la Lune ont immortalisé ce moment historique avec des appareils Hasselblad. C'est classe, hein, franchement c'est classe. Bon bah Oppo, quand il a fait rentrer OnePlus dans son entreprise, en fait qu'il a racheté OnePlus hein, tout simplement, a hérité du partenariat Hasselblad qui avait été signé par OnePlus auparavant, et du coup il en profite pour en faire bénéficier ses produits. Il est pas fou le gars. Du coup, en plus de son trio de capteurs dernier cri, dont un capteur principal stabilisé sur 5 axes, qui est une première hein, sur un smartphone, et en plus d'un ultra grand angle de folie, le tout d'ailleurs avec des optiques en verre et pas en plastique, hein, ça c'est important parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour la qualité des photos, et eh bien le Find X5 Pro hérite du rendu Hasselblad. Et les rendus Hasselblad, c'est quoi? Et eh bien c'est ça. Ça fait de belles photos, hein. Et bien, pour obtenir ces résultats, Oppo utilise aussi sa première puce neuronale baptisée Mari Silicon X, qui est entièrement dédiée à la photo. Du coup, bah, ça apporte beaucoup de puissance pour les calculs des algorithmes et pour le traitement numérique de l'image. Et de la puissance, il en faut, puisque le Find X5 Pro, il peut sortir des clichés en RAW 10 bits et même 20 bits, de quoi bien faire plaisir aux photographes, puisque ça va permettre de vraiment peaufiner la retouche dans les moindres détails. Bon, par contre, ça fait des clichés hyper lourds, et Oppo ne propose qu'un modèle avec 256 Go de stockage sans possibilité d'intégrer une carte micro SD. Bon, ça c'est pas ouf comme idée, hein. Bon, et pour finir, les ingénieurs Hasselblad n'ont pas seulement bossé sur le rendu des photos, ils ont aussi développé deux modes exclusifs. Le mode Pro, qui reprend l'interface d'un appareil photo de la marque et qui permet d'optimiser chaque petit réglage comme un appareil photo professionnel. Et le mode X-Pan, qui reproduit l'aspect vintage des premiers appareils photo d'Hasselblad avec un format panoramique qui est vraiment une signature de la marque. En gros, le Find X5 Pro se frotte au meilleur en termes de qualité photo, mais en plus, il bénéficie d'un traitement spécial Hasselblad qui apporte une touche d'originalité vraiment bienvenue. Et en plus, il se débrouille plutôt pas mal en vidéo, alors même s'il n'est pas à la hauteur d'un iPhone 13 Pro de Galaxy S22 Ultra, ça reste très bon, très complet, ce Find X5 Pro. Bon bah voilà, j'ai fait le tour de la question, voilà pourquoi, en résumé, ce Find X5 Pro est pour moi le meilleur smartphone à l'heure actuelle. Alors bien sûr, il y a des éléments subjectifs, hein, comme le design, il y a aussi des critères où d'autres font mieux, comme l'iPhone 13 Pro Max par exemple, qui est meilleur sur l'autonomie. Mais pour moi, ce Find X5 Pro, c'est la proposition la plus équilibrée, la plus originale, mais surtout la plus innovante sur le segment premium. Alors forcément, il coûte cher, Oppo en demande 1300€, mais bon, c'est le prix à payer pour un smartphone d'exception. Voilà, cette vidéo de test du Find X5 Pro est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est selon vous le meilleur smartphone de 2022. On pourra échanger comme ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à dire pourquoi hein, vous pensez que c'est le meilleur smartphone de l'année. Et puis bien sûr, comme d'habitude, abonnement, petite cloche, pouce bleu, ça fait plaisir. Enfin, comme d'hab, quoi, si vous voulez soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, mais surtout des nouvelles vidéos. C'était Romain pour la chaîne de Précis. Et voilà, la démonstration est terminée. Ciao, ciao. Non, c'est là que je